Si vous saviez, j'étais à Tahiti et j'ai vu un coucher de soleil magnifique. Oh, t'as de la chance. Il était rouge, le soleil rouge. Et tu sais pourquoi il était rouge? Non. Ah bah ça, c'est à cause de la couche atmosphérique traversée par les rayons du soleil. À midi, par exemple, les rayons du soleil traversent l'atmosphère à la verticale. Le soir, en revanche, ils traversent l'atmosphère à l'horizontale. Par conséquent, le soir, la couche atmosphérique est beaucoup plus longue à traverser. Et alors? Or, dans l'atmosphère, il y a plein de petites particules qui arrêtent une partie des rayons du soleil. Tiens, on va reproduire le phénomène. Vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau dedans et quelques gouttes de lait. Fred, tu fais le soleil avec la lampe. Ça, c'est ce qui se passe de jour. Il y a peu de particules. Maintenant, le soir, quand l'atmosphère est très longue à traverser. Le soleil se couche. Voilà, et bien il se passe exactement la même chose qu'avec le lait. Les petites particules du lait arrêtent une partie des rayons, en l'occurrence les rayons bleus. On ne voit que le rouge. Eh bien, avec le soleil et l'atmosphère, c'est exactement la même chose. C'est vraiment pas la peine d'aller à Tahiti pour faire un coucher de soleil.